Et c'est parti, voilà la finale de la Winner Bracket. Ryan Hart, l'anglais, contre Misotelu pour le Japon. Street Cross Tekken. Le perdant jouera contre le japonais Kitebu. Ryan, le dernier européen en lice qui va jouer Lars. Et Sagat, son perso de Street 4, contre une team 100% Street 4 de Misotelu avec Ryu Guile. Comme on dit, il joue à l'ancienne. Il va vous montrer comment, si vous aimez Street 4, vous pouvez aussi adorer Street Cross Tekken. Moi, je vais vous dire, je l'ai vu jouer. Il joue pas à Cross Tekken, hein. Il joue à Street 4 avec un mode tag. C'est assez spécial. Allez, Ryan Hart contre Misotelu, Angleterre. Japon, finale, winner bracket pour être en grande finale. Et c'est parti, le Ryu. Alors, Misotelu, voilà, qui recule avec Ryu. Dans Cross Tekken, il peut charger Hadoken et feinter en faisant des dashs dans la charge d'Hadoken. Pour l'instant, Misotelu, voilà, qui recule toujours. Ryan qui utilise des caravans qui permet d'acheter le dragon, qui passe le casse-garde, ça passe dans la chope de Misotelu. Misotelu qui cherche également la chope, il recule en Tatsumaki. Misotelu pour l'instant très solide, hein, très solide. Le jump in à la Street 4, vous avez dit. Il le passe dans le coin avec le casse-garde. Quand on est barre de tag, le casse-garde, ça peut donner un combo, hein, ce avant MP de Ryu. Pour l'instant, Misotelu qui recule en mode fuite totale. En fait, il joue à CVS2. Misotelu, voilà, qui cherche à confirmer le BMK. Le BHK, ça passe dans la garde. Ryan qui cherche une ouverture, mais il sait pas trop quoi faire. Le casse-garde qui est bien protégé. Mais c'est parti avec le hammer qui passe. Le combo qui finit en Tiger Uppercut. Ryan, évidemment, son sac à Street 4, forcément bien présent. Il mange le flash kick. Sonic. Ça va durer longtemps en mode CVS2. Pour l'instant, mise au terreau solide avec son Kyle. Voilà. Ryan s'est déchopé. Et le côté, l'entière de Guile, évidemment, il prend le Tiger Uppercut sur l'anti-saut. Et voilà, le flash kick tac cancel pour faire venir le Ryu avec le dragon derrière. Le BHK, le Tatsu cross-up à la Street 4, je vous avais dit. Bah MK, Hadoken, pour l'instant. Misotelu qui est là, mais c'est incroyable, Ryan qui squatte le jeu, mais Misotelu qui a tellement dosé les streets et qui joue tellement à l'ancienne. Oh, le flash kick qui passe derrière, Ryan qui punit évidemment par un boost combo, qui punit en dragon avec le cancel à HK dragon, la barre de Misotelu qui a complètement sauté. Maintenant il reste une seconde, ça va time over. Et Ryan, grâce à ce combo, qui prend ce round. Qu'est-ce que ça a duré, cette technique, hein, parce qu'à la main d'ouverture de Ryan, ça peut durer, alors que Misotelu, il joue moins au combo, hein, il joue plus à l'ancienne. Voilà, la carte senior pour l'instant. Ryan, voilà, qui prend, il connaît pas Misotelu, il connaît évidemment pas du tout le match-up Larve, qui permet de faire ses Rika, qui peut varier par un casse-garde. Voilà le Jaguar Kick de Larve, ça passe dans la garde, et tout de suite le caravan kick avec le Dragon X pour faire un peu de dégâts derrière. Il en profite pour taguer, faire entrer le Guile à l'ancienne. Son Guile de Super Street 2X qui jouera sans doute demain. Ah, bien protégé de la part de Misotelu sur cette arrivée du Sagat. Ryan qui presse avec les Tiger Shot. Il trouve l'ouverture, pas de confirme. Sonic et... Voilà Ryan qui continue pour l'instant. Il garde légèrement l'avantage dans ses rounds qui durent, hein, quand même. Hein. On est un peu dans du CVSE aussi. Pour la durée des rounds, la chape qui est passée, qui passe la barre rouge. Misotelu, il n'a pas l'avantage de l'énergie, mais il continue de reculer. Il s'en fout. Il recule. L'entière qui trade. Misotelu, toujours très solide. Hein. Ryan qui cherche l'ouverture. Avec ce choix HK là, pour entrer dans les Sonic. Ça passe pas plus que ça pour l'instant. Les deux joueurs en zoning. Ryan qui ouvre sur le boost avec le Lars derrière. Il se rate sur le combo de Lars. Le casse-garde qui passe dans la garde. Mais Misotelu qui connaît pas, qui mange le Rika. Premier match pour Ryan Hart. Mais qu'est-ce que c'était dur. Qu'est-ce que c'était compliqué. Voilà, donc le deuxième match, 1-0 pour l'Européen Ryan Hart. Voilà, le Tatsu qui passe dans le vide, qui permet à Ryan. Voilà, ça c'est casse-garde, il connaît pas Misotelu. Et il mange sur le Lars de Ryan. Misotelu pour l'instant qui arrive pas vraiment à faire ce qu'il faut avec son jeu de ado. Il est solide, mais Ryan qui a l'avantage de jouer à perso de Tekken avec des phases inconnues au bataillon. Évidemment, voilà, avec le dragon derrière, le combo BNB Day One
de Mizuteru, qui a pas dû squatter le jeu tant que ça, mais qui est tellement un grand joueur de Street Fighter qu'il s'en sort très honorablement dans cette finale winner. Voilà, l'entière pour l'empêcher de sauter. Hadoken. Allez, Ryan qui a bien en retard à l'énergie hein, sur son Lars. Faudrait qu'il puisse sortir le Lars, mais faut pas le faire n'importe comment, voilà, après un sweep. Mais ça suffit pas, Mizuteru qui confirme mal sa trade sur le Tiger Uppercut. Attention, Tiger Shot. Faut que Ryan il agresse, hein, parce qu'il aurait plus beaucoup de temps. Mizuteru qui est passé en mode full Ryu Street 4. Voilà, Tiger Shot. C'est moins spectaculaire que le match d'avant. Ça joue plus à l'ancienne. Tiger Shot. Ryan qui continue d'enchaîner. Et Mizuteru, pour l'instant, qui prend pas de risque, il a l'avantage de l'énergie. Attention, c'était rouge, c'est mal puni de Ryan. Mizuteru qui a pu prendre son Guile en mode full camping 4 étoiles, proche du Stunfest. Oh, il passe derrière le Sonic, derrière le Flash Kick, pardon, qui permet à Ryan de tout de suite mettre boost combo, de tag avec Lars. Il ramasse le Flash Kick et Mizuteru au time over. Voilà, c'est à l'ancienne, comme promis. Allez, Ryan qui a l'avantage à la connaissance du jeu, on va dire, avec son Lars que Mizuteru connaît pas du tout. Il mange tous les casse-garde pour l'instant. Mais il faut s'approcher d'un joueur solide comme le japonais, c'est vraiment pas évident. Ils osent plus, ça joue très psychologique. Quel adversaire aura le plus de rats? Voilà le combo qui passe avec le bas gros point. C'est mal enchaîné pour Ryan qui trouve la chope pour remettre Mizuteru dans le coin. Mizuteru qui roule et qui se fait prendre dans la roulade. Encore une chope, Ryan qui l'attend. Mizuteru qui roule pas, qui se relève, qui mange le avant l'IK. Attention, le jump hit qui passe, ça part en boost combo. Il a 3 barres. Non, il a 3 barres. Voilà. Il a pouvoir. Oh, la super qui whip. Mais c'est pas grave, ça l'a pu dire quand même. Oh, comment il s'en sort? Mais c'est incroyable. Il l'a vu, il ne laissait pas passer cette fois-ci. Ce fameux casse-garde, il a mis le Dragon Tag. Mizuteru qui revient dans son match incroyable. Ryan qui avait le match pour lui deux fois. Et Mizuteru qui revient. Et il va avoir ses barres. Il retag avec le full combo. Il se rate un petit peu sur son combo Mizuteru, mais c'est pas grave. Il revient avec quelle remontée. Incroyable remontée. Est-ce qu'on va avoir une finale 100% Japon? Allez Ryan, tu l'avais le match, faut pas craquer. Mizuteru solide, y a rien à dire. À la Street 4, la chope de Ryu. Voilà, le jump encore, il retente cette chope. Cette fois-ci c'est déchauffé Ryan. Ça se déchauffe comme dans Street 4, y a pas de problème. Hadoken. Voilà, il cancel un peu son ado. Ryan qui cherche l'ouverture avec le Jaguar Kick de Lars. Voilà, là-bas, l'Erika, cette fois-ci, il se fait prendre. Il a dû encore tenter un Dragon, Mizuteru, Ryan qui a bien varié en envoyant les points. Pour l'instant, léger avantage à pas grand monde. Ils sont à peu près égalité, un match partout. Ça va durer, hein, cette petite finale. Cette finale winner bracket, pardon. Allez. Ryan qui continue de chercher l'ouverture, mais c'est incroyable. Hein. Vous voyez, Mizuteru, il agresse pas, il fait pas grand chose, mais il a tellement une défense de béton, un jeu super carré. Et Ryan il trouve pas l'ouverture, hein, c'est compliqué. Rien qu'avec un beau Ryu et un beau Kyle, il peut vous faire plaisir à Cross Tekken. Ryan son Sagat, mais c'est pas tout à fait le même qu'à Street 4. Il peut pas tout à fait faire la même chose. Et Mizuteru qui trouve l'ouverture, mais il en fait pas grand chose. Voilà, ça s'est bien passé avec le Tatsu derrière. Dragon cancel directeur dans le casse-garde, un peu raté de la part de Ryan. Mizuteru qui se rate pas avec ce BFP Flash Kick pour l'instant. Ryan encore en difficulté, hein, c'est incroyable. Hein. Il peut rien faire, il trouve pas l'ouverture, il joue à l'ancienne. Allez Ryan, qui saute en jump feed, il mange la chope. Oh le dragon, ça va être puni en chope, hein, la meilleure punition de Mizuteru. Hein. Et le boost combo, qui est trouvé par le Zapala qui rate son combo. Ryan, c'est le moment d'espérer faire un comeback que tu pourras pas faire parce qu'il n'y a plus le temps. Et la balle de match pour Mizuteru, le meilleur plan 4 du monde que j'espère vous aurez le loisir de voir demain à Super Street 4. Pour l'instant, Mizuteru qui s'en sort bien. Ryan qui était tellement bien parti dans ce match de Winner Bracket et qui va tellement rien en faire. En tout cas, pour l'instant, il va falloir qu'il revienne, c'est pas terminé. On veut voir un sudden round. Ryan qui cherche, il sait plus trop quoi faire. Il est tellement solide. Voilà, avec cette feinte dans le dash spécial.
du Lars. Lars, voilà, Dorian qui presse, qui réussit bien à déchopper. Bien joué, le Jaguar qui passe. Il trouve rate son link derrière. Misotero qui prend pas la tête, qui fait Dragon quand ça rate sur le BMP. C'est bloqué là dans ce BMK. De Lars, Misotero qui recule de nouveau. Oh Sonic. Et voilà, le flash kick à l'ancienne. Il joue en mode Street 2X maintenant. Il recule, et voilà, Misotero qui prend pas la tête. Quel joueur de Street Fighter. Et Ryan qui trouve pas l'ouverture. Ça va encore finir au time over cette histoire. Avec Misotero qui fait jeu égalité avec le Tiger Shot, avec les Sonic. Et il trouve l'ouverture. Et il prend le flash kick en tank cancel pour faire venir le Ryu. Double whiff de shot. Ryan qui sur le Tiger Uppercut avec double cancel. Ah bon, HK Tiger Uppercut. Fin des punitions. Balle de masse pour les deux joueurs. Un route partout. L'Europe contre le Japon. Last man standing. Ryan Hart pour sauver le monde. Le bas HK qui a raté, mais c'est pas trop grave derrière le Tatsu pour Misotero. Le japonais un peu plus en danger, mais Ryan, voyez, il a trouvé une ouverture, il l'a déraillé, mais faut la trouver l'ouverture. Pas évident, quel jeu solide. Pour l'instant à base de Ado, Misotero qui fait pas d'erreur, hein, qui recule, qui zone parfaitement. Et ça se joue un peu, voilà, le casse-garde, lui il s'en fout, il met un dragon là-dedans. Et voilà, lui aussi il met son dragon. C'est balancé les derrière, punition Ryan qui se prend pas la tête, boost combo. Derrière, il finit sans problème. Casper qui est trouvé encore. Il a bourré son Dragon X pour taguer sa bourre dans cette phase finale. Avec compète de bourrage en direct du Stunfest. Bourrage de Dragon, mais on s'en fout parce qu'on peut tag cancel. Et ça safe-fise un peu l'histoire. Ryan qui bloque le casse-garde. Pour l'instant, les deux joueurs à peu près égalité entière trouvés. Il a Sagat qui a beaucoup d'énergie, mais a globalement l'énergie. Misotero qui en a un peu plus. Ryan qui mange un Sonic X. Ça s'accélère un petit peu dans cette fin de match. Sonic X, Ryan qui saute par-dessus. Ryan qui saute par-dessus le Sonic qui manque le Soka. Le Tiger Shot qui passe. Ryan, c'est dans le vide. Le BMP qui passe. Ryan qui trouve pas l'ouverture parce que c'est l'échoué par Misotero. Tiger Shot dans la garde. Sonic, le stand gros poids qui passe. Whiff de Tiger Uppercut. Misotero, il reste 24 secondes. Ça s'accélère. Pressing de Misotero. Ryan qui a une garde. Qui mange Sonic X. Ah, c'est chaud. C'est chaud pour Ryan. C'est comment Ryan, c'est chaud. Tiger Shot, il va manger le Ado parce que Misotero a avancé dans sa boule. Le soin HK, il reste 2 secondes. Et qu'est-ce que va faire Ryan? Il peut taguer, il cherche l'ouverture, trouve un casse-garde pour profiter, mange un dragon, il reste 5 secondes. C'est la fin pour Ryan.